Okay? Take a look and let us know when the time is. Thank you, sir. Bon, on va rester un peu à distance, on va pouvoir tomber les masques, mon cher Jérém. Je vais enlever mon sac de Dora l'exploratrice quand même. Hein. Alors, bon Jérém, on a... Thank you. Pas de DA, ouais. Pas de freinage assisté, mais ça il me l'avait dit. Le code, ça dit quoi? Code C. Code C. Ok. Bon, on va jeter un petit coup d'œil, allumage MSD. Ouais. C'est bien pompe à eau et Edelbrock, on voit que tout est bien fichu. Je vais te passer une petite lampe, mon pote. Merci. Il y a une bonne petite fuite en bas, tu vois. Au niveau du radiateur. Voilà. Ouais. Je résiste pas à l'envie de me plonger en dessous parce que ça c'est vraiment ça. Alors déjà on voit qu'ici en bas des portes on n'a pas de bulles, ça fait partie des maladies sur ces voitures là. Les portes, quand on a des infiltrations, des problèmes de joint, ça vient couler et dans le fond des portes, ça se met à buller. Donc après, on va ouvrir la porte, on va regarder l'intérieur, mais ici, déjà, de l'extérieur, je ne vois pas. Et ils sont mal... Eh, franchement, il ne s'est pas moqué de nous. Elle est... C'est vrai que c'est beau. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, Jérém, c'est que il n'y a pas une grosse couche de Black Sun, là. C'est vraiment le petit antigravillon léger, noir, propre. Ouais, même devant, on voit que ça a été entretenu. Il y a les amortisseurs neufs, les triangles, ouais. Les perches. Souvent, les gens nous demandent pourquoi est-ce qu'on nos t-shirts et nos sweats, etc., sont toujours noirs. Comprenez mieux, on se roule tout le temps par terre. Donc, imaginez si on était en t-shirt blanc, là. Donc, voilà. Non, bah, c'est nickel, ça. Enfin, elle est super saine. Donc là, on voit bien que c'est les ailes d'origine, des deux côtés. Et ça nous permet de voir aussi les longerons arrière, voir si elle a tapé, la jupe arrière. Elle est très belle. Maintenant, on va la mettre en route. On va voir si au démarrage, elle fume. Là, elle est froide. 6, je vais toucher 1. Le collecteur pour voir si, M1. Si elle est froide. M, c'est quoi le code M? C'est Wimbledon White. Donc, c'est sa couleur d'origine? Sa couleur d'origine. T'as pas amené le petit livre? Non, monsieur, je t'avais dit de le prendre. Tu l'as oublié. Ah, j'aurais dû le mettre dans mon sac à dos de Dora. Mais c'est pas grave. De toute façon, le code M de couleur, c'est le Wimbledon White. Elle est belle. Tu sais quoi? Donc là, les collecteurs sont froids. Donc tu peux la mettre en route, comme ça on va voir s'il y a une petite fumée à l'extérieur. J'essaye de pas trop m'exciter, mais je suis déjà semi-excité là. Oh ! Un peu de condensation, mais c'est normal. Pas une fumée, rien du tout. Hein. C'est un rétro sound. Kick panel aussi. Ils n'ont pas coupé à l'arrière pour mettre des enceintes. Parce que ça c'est des choses qui arrivent assez souvent. C'est qu'en fait, ces voitures-là, dans les années 80, elles avaient une valeur qui était vraiment moindre. Et bah, bien souvent, il y a des gens qui les bidouillaient un peu. Et là, on voit qu'elle a été vraiment... elle n'a pas été charcutée, donc ça fait plaisir. Enthousiaste, on va aller faire un petit tour avec. Je suis très content du test drive. Bon, on aura un alignement à faire. On voit que le volant, il est un peu off. C'est une voiture qui n'a pas de direction assistée. Mais on n'en a pas besoin parce que la direction est très légère. Donc, elle a des roues qui sont... encore en petit diamètre type origine, des style wheels, donc c'est pas une direction qui est très lourde, donc très agréable à rouler. Le moteur à la santé, on sent que vraiment ça repart, et il y a même le kick down. Ce que vous avez entendu, c'est le kick down, c'est à dire que même quand on est lancé par exemple à mi-régime de troisième et qu'on a besoin d'accélérer, la voiture rétrograde toute seule en seconde. Voilà. Please let me know, right there? Ok. Donc, non, c'est vraiment la transmission shift comme dans du beurre, c'est super agréable. Pas d'à-coup. On peut être sur un tout petit filet de gaz, la voiture ne hoquette pas du tout. Si on sollicite un peu plus, ça marche très bien. Le bruit est très sympa. Awesome. Très agréable, franchement. Bon,
Je m'en doutais hein, après ce qu'on a vu quand on s'est penché dessus. Mais ça fait toujours plaisir de faire d'avoir une confirmation après un petit L-drive comme ça. Parce que ça, on sait maintenant que quand c'est manquant. C'est compliqué. Non, mais tout est là. Ouais. C'est chouette. Super. Et ben voilà, ça fait plaisir. De temps en temps tomber sur des anciens propriétaires qui ont pas lésiné sur le boulot. Il m'a scié les pattes là. Direct, bam. Il m'a dit non. Non, le prix est ferme. Celle-ci. Celle-là, je sais que bam. Ouais. Ouais. Bon, bah bon écoute, ben. Hein. Oui, monsieur. Oui. Ouais. Pour le sport. Une belle voiture. Papy est un peu dur en affaire. T'as vu la caisse avec quoi je suis venu ce matin? Ouais. Je suis sûr que je te bouffe. Départ arrêté, je te bouffe. Ta caisse, même si elle a la santé, avec les pièces perfo de la mienne, tu peux faire ce que tu veux. C'est dead. Franchement. Bon, après, il y a le pilotage aussi. Ah. Toi, tu viens du rallye. Peut-être que tu vas mieux choper le grip que moi. J'ai mis des slips. Semi-slips, tu vois. Ouais. Ah oui. Monsieur Panizzi. Monsieur Bonpas. T'as un petit peu l'impression que c'est la combinaison qui va te faire gagner la course. Écoute, l'espoir fait vivre. Ouais, ouais. Je ne demande qu'à voir. Ah ouais, mais tu sais que ça a un prix de jouer au malin. Ouais, mais fais-le. Vous les Français, vous avez une grande gueule comme ça. Viens sur l'autoroute. Moi, j'ai plus de puissance. Mmh. Ben, voyons voir. Ouais. Hein. Je crois que le Jérém, il n'a pas idée de ce qu'il attend. Dans son pot et je crois qu'il va m'impressionner, mais il n'est pas prêt je crois qu'il sait pas, de quoi je suis capable. Alors c'est bon, t'as démarré, on n'entend pas ton moteur. Oh putain, je suis impressionné. Fais pas le malin, on va voir, la ligne de départ elle est là, et la ligne d'arrivée elle est au bout. Vas-y, fais voir un peu ce que t'as là, sous le capot là. Mec, bien joué hein. On se fait une petite spéciale jusqu'au shop hein, parce que la ligne droite c'est bien, mais même en courbe je te fume. Je vais vous faire écouter une dernière fois le vrombissement de la bête. Voilà. Ça c'est un sweeper. Personne ne sait ce que ça cache. Hop 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 hop. Franchement, il n'a pas démérité son titre. Hein.